Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry et de Meghan Markle. Vous savez que lors des interviews du prince Harry, il a dit en fait que la famille royale faisait semblant de suivre la devise du never explain, never complain, c'est-à-dire ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre, mais que en fait, ils se plaignaient, ils expliquaient, et ce par les commentateurs royaux, les sources royales et toute autre personne proche de la royauté. Donc, généralement, quand vous entendez les commentateurs royaux parler des sources proches de la famille royale, il faut sous-entendre qu'en fait, c'est la famille du prince Harry qui fuite des informations sur lui et sur Meghan. Donc, on a maintenant ça de clair et c'est en train de se passer en ce moment parce que la famille royale a envoyé ses sbires pour contrecarrer toutes les accusations du prince Harry. L'une d'elles étant ce que le prince Harry avait dit sur le fait qu'il n'a jamais été le garçon d'honneur du prince William lors de son mariage avec Kate Middleton et que c'était qu'une façade qui avait été créée par la famille royale et que en fait il y avait deux autres personnes qui étaient son garçon d'honneur. Maintenant, pour justifier le fait qu'il n'ait pas choisi son frère, je parle du prince William, comme garçon d'honneur, ils envoient les commentateurs royaux dire dans tous les journaux, en fait, que le prince Harry n'était pas quelqu'un sur lequel on pouvait compter, donc il n'était pas possible qu'il soit le garçon d'honneur parce qu'il était trop, comment dire, irresponsable à l'époque et qu'on ne pouvait pas compter sur lui pour être là, pour faire certaines choses. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi les deux personnes, je crois que l'un des frères Van Ketsen et un autre qui étaient des proches amis du prince William. Donc ils essaient d'expliquer pourquoi pendant des années ils ont menti au public en faisant croire que le prince Harry était le garçon d'honneur du prince William. Au départ, ils disaient que oui, le prince Harry mentait en fait qu'il était vraiment le garçon d'honneur, l'un des garçons d'honneur et qu'ils avaient juste distribué les tâches. Maintenant qu'il est clair qu'il n'a jamais été le garçon d'honneur et que tout était une façade créée par la famille royale pour maintenir une illusion. Ils disent que non, on ne pouvait pas confier ce rôle-là au prince Harry parce que voilà, il était trop irresponsable, trop jeune et on ne pouvait pas trop compter sur lui. Donc son frère, le prince William, a préféré compter sur deux personnes qui ont toujours été là pour lui. Vous vous rendez compte, c'est tellement ridicule. Au lieu d'admettre, dire oui, voilà, cette histoire du prince Harry très proche du prince William était faux. On a préféré mettre le prince Harry au devant de la scène pour maintenir les apparences, mais en fait, on sait très bien que le prince William a demandé à d'autres personnes d'être ceci ou d'être cela. Voilà, c'est comme ça en fait que la famille royale fonctionne, hein. On dit que le prince Harry n'accepte jamais les responsabilités de ce qui arrive dans sa vie. Ben, c'est la même chose pour la famille royale qui n'accepte pas la responsabilité des mensonges qu'elle crée tous les jours. Et on a là la preuve là. Donc vous allez entendre dans tous les journaux, oui, en fait, Harry n'était pas le garçon d'honneur parce qu'ils avaient considéré que ceci, cela. Tous ces gens-là vont dire toujours la même chose et ce pour soit amoindrir les paroles du prince Harry, soit carrément ridiculiser le prince Harry. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.